Faut que je m'en raconte une bonne. Au début du mois d'avril, j'ai un client qui m'a apporté un aspirateur Electrolux. J'ai ici, l'aspirateur central Electrolux. Le fonctionnement d'un aspirateur central, ben, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que tout de suite, j'ai enlevé le couvercle sur le dessus. Elle n'allumait pas, pas ça. Elle a arrêté de fonctionner complètement. J'ai enlevé le couvercle sur le dessus. J'ai vérifié mon moteur ici. Puis, il n'y avait plus de résistance entre les deux entrées qui vont au moteur. Généralement, ça prend une résistance parce que ça, c'est ça qui fait tourner le moteur. Probablement que c'est les brosses qui sont finies, là. Mais étant donné que c'était pas évident, ça vient tout d'un gros morceau, c'était pas évident à trouver. J'ai fait commander le moteur au client pour être sûr qu'il n'y ait pas de trouble avec. Fait que j'ai commandé un moteur. J'ai eu le moteur ce matin. Excusez, hein, je regarde trop là, je regarde mon écran. J'ai commandé le moteur, je l'ai eu ce matin. Je l'installe dedans. Je branche ça. L'aspirateur part tout de suite. C'est une bonne nouvelle. Sauf qu'elle n'arrête pas. Elle fonctionne tout le temps. Puis pour vous expliquer simplement comment est-ce que ça fonctionne, un aspirateur central, c'est pas dur. C'est un moteur seulement, branché sur 120 volts, avec souvent un interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre dessus. Et aussi, la prise de courant 40 ici, plus deux petites entrées que quand on vient toucher les deux, automatiquement, l'aspirateur démarre. Quand vous rentrez votre balai dans le mur en haut, il y a deux petites pines dorées, là, ça vient créer un court-circuit entre ces deux pines-là, ça fait démarrer le moteur. Mon problème, c'est que là, elle n'arrête pas. Elle marche tout le temps. Puis je pèse sur le piton. Elle n'arrête même pas. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de retirer le contrôleur pour vérifier qu'est-ce qui pourrait se passer là-dedans. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est vraiment simple. Ça prend un relais, quelques petites composantes bien simples qu'on retrouve généralement dans un aspirateur central pour faire en sorte que quand on active ça, le moteur part. Mais Electrolux ont dit non, 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 non. Des ingénieurs ont dit, ben trop simple ça. Il faut mettre de la technologie. Ils ont rempli ça de technologie. Savez-vous à quoi ça sert, tout ce qu'il y a là-dedans? Ça sert à 1. Faire allumer la petite lumière. 2. Répondre qu'est-ce qui se passe quand on pèse sur le piton. Puis 3. Envoyer de la tension sur le moteur pour l'activer ou pas. Ce qu'un relais faisait avant. Mais eux autres, ils ont dit non, 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 un relais, c'est pas bon ça. C'est ben trop résistant. Il faut mettre de quoi qu'il va casser. Ils ont mis ce qu'on appelle un triac. C'est ça qui contrôle. J'active ou pas le moteur. Puis quand je suis venu pour le vérifier, il est en court-circuit de A à Z. Si je vous le montre ici, là. Je me mets en mode diode. Un triac, ça s'active ou ça se désactive. Si je veux le désactiver, je viens toucher à toutes les pines. Puis là, il serait supposé comme se désactiver. Mais si je viens vérifier, ça marche un petit peu encore une fois comme une diode. Si je viens vérifier entre les deux pattes, oh! Court-circuit direct. Court-circuit direct. Le triac est en court-circuit. C'est supposé de montrer entre 0.4 et 0.7, 0.8 la valeur quand je me mets entre une patte et une autre. Et je peux même aller chercher ce qu'on appelle les feuilles de spécification, là, datasheet, puis le regarder. Mais il est tout en court-circuit. Il est court-circuité de partout. Il est toujours actif. Donc, c'est pour ça que mon moteur n'arrête pas. Il fonctionne tout le temps.
J'ai vérifié toutes les autres composantes. Il n'y a pas l'air d'avoir rien. Mais sans rire, là, je me demande ce qu'un chip comme ça fait là. Un gros chip, là, pour dire à un aspirateur, allume-toi ou éteins-toi. C'est pas brillant, ça, là. Ils ont certainement pas fait ça en 10 ans. Leur disant, l'aspirateur va durer longtemps. Ben, voyons donc. Ah! C'était pour vous montrer que des fois, la technologie, là, ça aide pas pantoute, mais pas pantoute. Puis ça se demandait pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Fait que, j'ai regardé pour cette pièce-là. La pièce, elle vaut 1,83$. La majorité du monde aurait changé ça. Qui doit se vendre quand même assez dispendieux. J'ai pas été voir, j'ai même pas voulu aller voir comment ça valait. Mais, c'est juste ça qui fait défaut. Fait que je le commande. On va le mettre dedans. Après ça, je vais remettre ça au client. Merci.